C'est des courses beaucoup plus intensives. Au début, ça a été un peu avec la distance des courses. Bon, après, voilà, je commence bien à m'habituer, c'est très bien pour l'essor.
Pour l'instant, j'ai une 5e place à la route bretonne et puis une victoire la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Et donc, ouais, c'est vraiment super. Ça commence bien. Je connais quasiment tout le parcours, peut-être pas la fin de la 4e étape, mais autrement, toutes ces premières étapes, je les connais parfaitement. Donc, il n'y aura plus qu'à essayer d'être devant. Et la première va être importante, je pense qu'il y aura déjà une sélection faite. Et puis, la 4e risque d'être importante aussi. Après, il y a le contrat pour par équipe qui va jouer également. Toutes les étapes sont importantes sur le genre de course. Et on a eu un changement d'effectif au dernier moment, du coup on n'a pas tous pu rouler ensemble, mais on a les quatre c'était déjà bien entraîné sur le circuit, tout le monde a pu repérer le contrôle à montre qui est quand même assez technique au début. Je pense que c'est un bon point positif pour la reconnaissance et pour réussir à performer sur ce genre de circuit. Point qui va forcément manquer, mais après on est tous très bien, on a tous des capacités à pouvoir rouler, et puis je pense que ça devrait le faire. Bah, un petit peu, après c'est sûr c'est plus fatigant, il faut être bien organisé, rapide dans toutes les transitions, pas pouvoir perdre trop son temps. Après on commence à s'habituer, la fin d'année est proche, donc je vais pouvoir bien me consacrer au vélo après les partiels, et puis ça ira très bien. Être placé et réussir à faire gagner quelqu'un de l'équipe, déjà, ce serait déjà super, que le pic soit vraiment placé, et puis qu'on puisse fêter au moins une victoire sur cet essor.
Thank you.
perdure de la dose d'oxygène. On salue également au sein de ce peloton les autres coureurs finlandais, les représentants de notre cachinet qui sont également des donks, que ça revient très fort avec ici les cinq coureurs. Apparemment donc, c'est revenu très très fort. L'arrivée dans un petit instant avec une arrivée avec une trentaine de coureurs sur le rencontre d'associés près donc. L'un des coureurs qui était initialement sur le groupe de tête qui va conserver l'avantage. Félicitations puisque c'est bel et bien donc ici Vadim Deslandes qui se pose. Nous comptons également ici avec notamment Kevin Guillaume qui a été pris au début avec les coureurs, notamment de la formation de Saint-Étienne. Il était le cas avec Axel Tomela, le coureur de l'Est, qui était en première position.